tout ça. Henri Pastel, à côté les ténors. Manu. Les ténors. Oui, nous présentons tout à l'heure. Je vais vous présenter à côté de moi, M. Omer Cromwell, qui. Monsieur Omer Cromwell, ou bien connaître Monsieur Maurice Charles-Louis. Mais oui, Maurice, et puis moi, nous commençons depuis l'école, connaître nous. Depuis l'école communale. Et nous séparer, nous, là, chacun aller dans le service-là. Moi, par exemple, dans les contributions, et Maurice dans l'équipement. Mais nous passons toute adolescence, nous, ensemble. Nous sommes voisins, c'est lui qui a bah, moi le goût de la musique, qui permet moi d'apprendre beaucoup, enfin, plusieurs instruments, d'autant plus que, quand il dit, famille Lise était une famille de musiciens. Or, quand nous étions à l'école, évidemment, nous étions à apprendre le solfège, et nous étions premiers, Maurice et puis moi, dans le solfège. C'est ça qui fait peur d'un jour. Fais-moi entrer comme saxophoniste à la Société Musicale Loire. Et Maurice lui-même a joué grosse caisse dans la Sainte-Cécile. Alors, nous, à partir du moment là, nous apprenons à faire la musique. Loulou et Fouay conseillaient-moi de faire saxophone. On fait saxophone, on fait clarinette. Et puis, et avec Maurice, nous avons joué tibal. Et jeunes gens, enfin. Et puis en même temps, nous avons joué sérénade. Ça, d'ailleurs, il n'y a pas d'anecdote sérénade, mais il fait ça rigoler. Ni un vieux bouc. Il dit comme ça, il était là en sérénade. Il dit, eh bien, il est venu en sérénade. Alors, préparé tout simplement. Hein, nous sommes arrivés, côté 4h du matin. C'est bouc là qui est arrivé pour tout le monde. Et il a dit, nous avons joué. Et fascination, hein? Alors, il a approché tout doucement. Il a eu un canon physique à partir, puis boum, boum, boum. Alors, tout le monde mettait courir, il a quitté la guitare, mandoline, tout le monde. Alors, le même matin, il a commandé boucle, il a dit, mais ça fait nous, hein, mon vieux. Et non, j'ai voulu saluer l'arrivée de ces messieurs par un coup de fée. Mais. Maurice a songé ça bien, puisque nous avons rigolé, nous rigolons en pile du barrage là. Et alors, nous tellement ensemble, nous tellement bien, c'est que. Et puis Maurice nous fait sport. Personne n'a ni en l'idée que Maurice est un grand athlète, fort au barre parallèle, fort à la barre fixe, et un excellent coureur de vitesse. Parce qu'il était qu'à jouer dans la société. L'étoile nous a fondé en l'épave, je ne sais pas si Henri était jeune. Hein. Mais enfin, Tenny Fouay René, par exemple, qui était joué et puis nous. Eh bien, nous faisons sport ensemble et, mon Dieu, là nous arrivons, là nous arrivons à Maillé, et puis de toute manière, c'était Maurice qui était musicien avec tous ses camarades. De sorte que, on peut dire que, et goût la musique là, il va moyen. Ça permet moi d'apprendre plusieurs instruments et en même temps, je fais partie de la Société Musicale L'Aurore et nous finis, enfin, nous séparer, moi fini jouer saxophone, là, m'entrer la régie. Mais Maurice, lui, continue et jusqu'à présent, il en forme qu'on s'en cas, ouais. Henri Pastel. Il y a un bagage qui est très important pour M. Cromwell Badino, qui a fait partie parmi le groupe de jeunes qui promotionnaient saxophone. Et puis, un autre bagage qui faut que nous dit la jeunesse, on doit dire ça. Est-ce qu'on peut dire ça, mesdames, messieurs? Tous les grands musiciens, quand même, tenaient plusieurs travaux. Quand on nous compte, sous c'est pour garder M. Charlery, quand même, il était qu'à travailler l'équipement. M. Cromwell, le côté, il y a des contributions, quand on nous compte. Victor Termel, il était policier, etc. Roulou Boiraville, il était infirmier, etc., etc. Donc, c'est monsieur qui veut faire tout ça. Bah, qui m'a fait? Je ne sais pas comment il fait ça là. Fait. Hey. Mano, premier bagage, je m'en ai dit aussi, hein. C'est me féliciter pour cette initiative là où on y a. Parce que vous pouvez permettre
à beaucoup de jeunes à présent de connaître l'histoire de la musique, hein, l'histoire du folklore. Ça, c'est bagage nous apprendre. Et enfin, on peut dire nous sommes les premiers artisans. Parce que Maurice et puis moi, nous n'y a à peu près même âge. Il est 85 ans, moi il est 84. De sorte que nous participons à tout ça qui était né. On a joué mandoline, Maurice a joué guitare, nous avons les défauts qui a joué puis nous, Charlot a fait guitare, Emile a fait mandoline, nous fait violon. Eh bien, à présent, nous avons revivre ça grâce à Oumano avec une certaine émotion. Et c'est une bonne chose du fait tous ces jeunes gens à présent là connaître en quelque sorte originaux, origine de la musique, origine de folklore martiniquais. Et c'est pas Loulou qui a démenti moi. Mesdames, messieurs, monsieur Tari à côté de nous. Hein. Vous avez parlé de carnaval, vous avez parlé de carnaval, car ici c'est demi carême. Vous faites bagaille. Vous avez fini par partir en France. Je fais pas mal de choses, hein. Mm-hmm. Vous partez en France. Oui, je suis parti en France, mais avant de partir en France, parce que c'est un hommage, nous avons fait mon chaleur. Mon chaleur, oui. Maman connaît mon chaleur, ça vieux tellement, ça va savoir. Maman connaît mon chaleur depuis 1936. À l'époque, comme mon chaleur, et puis Frey, et puis Tonton, monsieur Robert Chaleur. Ouais, le pavé. Mm-hmm. Après pharmacie, je te rappelle ça le Music Box. En 1936. Oui. J'ai mon chalerie. Alors les musiciens de la ville là, Denis Anderson Bago, Guimau Bobo, Denis Georges Balus, pas Jean, mais Georges. Toute une équipe de la ville là, Renoir Jacques, tout ça. Nous avons fait la musique. Alors, aux gens qui m'ont dit je batterie, puis non, papa, le père fille de Gon Charlery, quand il était à la batterie. Mais quand il était tellement. Ah oui, il était là, puis non. Pourquoi nous comptons comme musicien de camoufler comme ça? Ah, mais oui, mais papa, il était à la batterie, puis non. Mm-hmm. Et puis, c'est à l'époque, il y a le passage de l'orchestre de Fanfan. Roger Fanfan, et puis Robert Mavondi. Eh bien, il est passé, il est avide de musiciens qui jouent ici. Il est passé, il est mis à jouer, et puis non. Robert Mavondi, et puis Fanfan, tout ça. Alors, maman, je dis un petit mot à Henri Pastel, parce que mon micro, Henri Panique, Robert Mavondi, pour côté saxophoniste, il a. Oui, il a joué le saxophone. Il a joué le saxophone. Oui, parce qu'il commence à la batterie. Il joue saxophone déjà. Oui, mais moi, je joue batterie aussi. Parce que moi, je joue batterie, c'est le tango, et puis papa, non. Jean Balus, tout ça. C'est batterie, je joue avant tout. Comment on a cassé tout ça? Faut qu'on monte fouillé en bas. Mais quand on est dernier, ou camoufler là, ou là, ou sans grand cordonnier aussi. Ah oui, si vous voulez agrapier, moi j'ai mon réveil. Ah, la musique c'est belle. Et t'as agrapé Jean Balus, là j'ai mon réveil. Alors tout à l'heure, alors, moi les greffé à Soussof India pour m'en dire, nous souligner M. Comwell, Loulou, Bois-la-Ville, et les intellectuels qui sont arrivés à faire la musique, mais ça t'arrête pour eux. Hein. Ça t'arrête parce que maman, papa, parce que j'ai chaud, riche, la musique, dans l'époque, il était qu'à voir ça comme ça, personne ne peut pas démentir moi, c'est musique vient. Au port, parce que si les gens ont appris à nous, c'est déjà beaucoup, mais en nec dans un saxophone, et les vieux femmes ont appris à nous, et quand on a monté le bibliothèque, on a commencé à les galer, pas de la fessique, hein, la musique a été mal ouverte, car ils veulent faire tout ça, bagaille. Mal dit, Gilles Vecou aussi, en bouillant saxophone, lui aussi était cordonnier, etc., etc. Tellement vous avez dit, la musique de B, la musique vient nec. Maman, mon papa dit ça, maman, tu as le cinéma, maman. Maman, tu as dit, bon, maman, je suis regardé des fins Jean Bozy qui a joué batterie. Il y a deux louches qui ont joué clarinette là. Et donc, frère, le loup à la ville. Moi, là, et puis la clé à maman, je suis dit, je suis joué. Les Jean Bozy parti, je suis remplacé. Maman prend un bâton balé. Je m'en prends un balé tellement, je m'en tourne un balé. Musique, c'était musique vénèque. Faut pas mentir, jouer la musique. Il était comme ça mal avant. Mais oui, jamais, c'est pour vous faire, je veux dire.
Mesdames, messieurs, applaudissez encore pour moi. Voy Kapati, Voy Kapati. Merci encore. Alors, oui, oui, oui. Mesdames, messieurs, ribattent la maison encore. Je vais improviser.
Alors, moi disant le brillant saxophoniste qui est là, moi qui ai présenté tout à l'heure, je trouve bien que saxo il a qu'à siffler. C'est pas lui qui a fait siffler, c'est un chlan qui a fait ça. Moi qu'on a aussi, hein, ça qui arrive. Soit il est trop sec, ben soit, hein, comment, il n'y a pas qu'à nous. Il est trop sec, il est trop sec, il est trop sec. Bien.